Chers compatriotes, vous félicitez d'avoir réussi ce concours qui va permettre à vous autres jeunes, cadres du ministère des Affaires étrangères, d'intégrer le service extérieur. Je dois vous le dire sans embâche, l'avenir de la diplomatie haïtienne dépend de vous. Mes chers compatriotes, le monde actuel est marqué par l'interconnexion, la vitesse et le souci de justification. Il est pris, tenaillé par une complexité technologique et scientifique qui mobilise au niveau des relations internationales des ressources et des compétences diverses que l'État doit prendre en compte, voire mobiliser, s'il entend gagner la crédibilité de ses partenaires. La globalisation et la modernisation de l'information numérique, la prévention et la résolution des conflits, les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les menaces sanitaires, comme celles que nous sommes en train de vivre avec la COVID-19, rendent les sociétés plus proches, plus indépendante, plus interdépendante, je dirais, tout en évoluant dans une constante compétition. Cette interdépendance, nonobstant le respect des principes de la souveraineté ou de la non-ingérence, rentre parfaitement dans mes préoccupations politiques et stratégiques. C'est pourquoi j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères, le docteur Claude Joseph, à prendre des mesures de redressement de la diplomatie haïtienne en vue de promouvoir l'économie, les valeurs et la culture haïtienne tout en défendant les intérêts de notre pays et de nos compatriotes à l'extérieur. C'est ce qu'il est en train de réaliser à travers un vaste programme de modernisation de la diplomatie haïtienne. Je le félicite et lui souhaite du courage. Bienvenue, mon frère. Mesdames et messieurs, j'ai exprimé avec insistance ma volonté de doter le pays d'une diplomatie proactive, habile, intelligente et rationnelle en prenant en compte le contexte international et la réalité de notre pays. Le contexte international aujourd'hui, c'est avant tout la solidarité face à la pandémie. Demain, elle sera la lutte entre les nations pour trouver les moyens de résoudre les crises nées de cette pandémie. Parallèlement, comme d'autres pays viennent de nous donner l'exemple, les échéances démocratiques doivent être respectées. Aussi, la réalité de notre pays est donc de trouver la solidarité internationale pour continuer de faire face à la pandémie, adresser les crises sanitaires et sociales, ramener la paix intérieure, relancer l'économie du pays et préparer les élections législatives, présidentielles, municipales et locales afin de remplacer le personnel politique du pays par des élus. Vous me direz que ce sont là des questions de politique intérieure, mais dans ce village global qui est devenu le monde, la dynamique internationale veut qu'Haïti, comme chaque nation sur Terre, prenne en compte la mesure des impacts internationaux sur ces réalités intérieures. Et inversement, les impacts de ces décisions internes sur l'international et le régional. À cet effet, le renouvellement du corps diplomatique haïtien s'avère un impératif. Mesdames, Messieurs, les diplomates ici présents, qui vont en mission très bientôt, ont été sélectionnés selon les critères inscrits sur le savoir et le savoir-faire.
la technicité, le relationnel, la capacité à fidéliser leurs interlocuteurs de manière à avoir leur confiance et leur appui. Ces diplomates sont, par-dessus tout, des jeunes patriotes. Leur recrutement a été réalisé sur la base du mérite et sans aucune forme de clientélisme ou d'influence politique. Pas un ami président qui mettait nous là, ni ami ministre, ni ami sénateur, ni ami premier ministre. Ça fait quelques jours, m'a dit nous, si reste là, c'est pour le peuple là. Eh bien, je vous dis, m'a dit, diplomatie, c'est pour le petit peuple là, et tout. Ce jour est mémorable, car cette cohorte de jeunes filles et garçons issus des services centraux du ministère des Affaires étrangères vont faire l'expérience du service extérieur sans avoir été parrainés. 42% sont des femmes. Le principe de l'équité a donc été respecté. Peuple haïtien, frère Maxime, jeune fille, jeune garçon, cap koutem ou cap gardem là. Cérémonie ça n'a fait aujourd'hui a montré à clair volonté comme chef de l'État pays pour me lutter contre exclusion sous toute forme li exige. Longtemps, les a parlé de diplomatie, c'était un domaine qui était réservé pour un petit groupe moun, yon élite, yon classe sociale. Parfois, il était réservé pour même une couleur moun. Si vous ne faites pas partie de classe sociale, ça, si vous n'avez pas de gros signatures, si vous n'avez pas de couleur, vous n'avez pas de droit pour être non diplomate, même si vous êtes intelligent. Bagage, ça aurait les injustices et exclusion sociale. Et tout pays qui chita sous exclusion et injustice sociale, tout pays qui pas accepté par jeunesse la chance qu'elle méritait, pas jamais qu'à développer comme ça doit. Jeunesse a besoin de confiance dans la tête d'abord. Jeunesse a besoin que dirigeant lui récompense l'élève fort. Jeune fille et jeune garçon, ça y pas de ni parrain, ni marraine qui m'a débrouillé. Il y a un savoir, il y a une compétence qui joue pour lui. Les petits peuples à l'école, il faut qu'il y ait une chance tout pour le cas occuper n'importe qui poste dans l'État. Égalité chance là doit être faite pour toute femme et garçon qui n'en veut. Quelle que soit l'origine sociale et économique. Si c'est l'origine sociale et économique, moi, qui t'a décidé ça me doit, je dis, ce n'est pas moi qui t'a président pays. Système pesé sous ça, pas ta bonne chance pour me réveiller là, je dis. Mais même gens avec moi, nous bataillons pour nous arriver côté nous y est là aujourd'hui. Ce n'est pas cadeau personne fait nous. C'est connaissance nous avec intelligence nous qui mettez nous là. Système pesé sous ça que yon groupe oligarque corrompu a alimenté depuis 10 d'antan, n'a même dit, depuis diable d'abouma caporal. Système pesé sous César, qui touye des salines, qui touye plusieurs autres chefs d'État encore,
système pesé sous ces ça qui fait peuple là parfois perdu route li li virer contre propre tête li jodia m'a dit nous ça li rivé dans bout li parce que m'pa presque dormi pour m'goumak li parce que m'connais bataille ça c'est lui même que jeunesse là c'est son mérité goumé jodia pour nous libérer l'état en bas griffes animaux sauvages ça yo parce que moun pas qu'on vive dans moun ça va vivre à qu'on pays là. Je prends des décisions difficiles. Parfois, il y a des gens qui comprennent. Trop dur. Mais pour nous, mon pays meilleur demain, il faut que les gens qui sont montés dans la tête de l'État, qui sont parés pour prendre des décisions. Peut-être, il y a des gens qui si connaissent ce genre de décisions, ça m'a fait prendre. Je suis arrivé là. Mais heureusement, peuple là, majorité silencieuse là, moun kap souffri, kap gémi depuis longtemps, yo fait choix aujourd'hui. Et j'aime te dire dans salle ça, dans le dernier dialogue communautaire, pouvoir pao là, pouvoir qui dans mon nom, pas de personne kap kapren dans mon encore. Un moun qui veut pouvoir ici, ou pas dans l'élection. Et l'élection, seul monde qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. Personne. Pouvoir pas bailler dans petit salon, dans les hauteurs de Port-au-Prince, encore. Pouvoir à bailler dans une côté, peuple à conviction, il va choisir le monde qui vous dirige. À chaque fois qu'on transition ici, si groupe oligarque corrompu s'emballe, yo pillé pays. Yo final. Jodia, me connais que en pile monde toujours a dit président ou dénoncer trop, mais nous agit tout. Grand pile nan problème ça yo, nous redresser yo. Nous pas obligé c'est sur la place publique pour nan avec dossier l'état yo. Lène corrige yo, nous corrige yo en faveur pao, en faveur peuple. Gan pile dans dossier sa yo, côté transition tête chargée, menen nous dans abîme. Nan. Transition sa yo, qui là pour détruire nèg, plogon imprimante dans l'état, côté imprimante ça pas prendre ni papier, ni pas prendre ni l'encre. Et puis pour maintenant la imprimé l'argent. Nous déploguer en pile dans yo mais rêve nous faut nous déploguer tout. Pour ça qu'a vinn pour l'état, pour l'état qu'a vinn pour vous. Ça veut dire pour vinn pour peuple là. Président on vinn dire qu'aimer là va décourager. Aller l'école parce que c'est seul côté qui a meublé l'esprit ou qui a une chance pour réussir demain, même gens avec jeunes diplomates, ça y est, qui peuvent représenter le pays à l'autre bord de l'eau. Quel que soit côté où dans le pays d'Haïti, quel que soit côté où dans la section communale pour vivre, nous décidons de chance. Nous décidons de la jeunesse la chance. Pour y aller dynamiser service diplomatique et consulaire et pour chercher opportunité pour développement pays. J'aime te dire, ministre, j'aime te demander, fait de route, m'a clair, moi voulais une diplomatie de coopération, moi pas voulais une diplomatie de représentation. Tout le monde qui est là, c'est pour nous chercher ça qui est bon pour nous porter pour le pays. C'est Wolpan. Ce n'est pas
aller dans grosse cérémonie seulement, aller boire bon divin, bon champagne, et puis pour n'oublier côté nous sortir, parce que celui qui oublie son passé est appelé à le revivre. Faut aller chercher pour pays, faut vendre Haïti chérie nous. Moi même qui campé devant nous là, moi président aujourd'hui, c'est pas moi qui là. Après 7 février 2022, mes pays a toujours là. Nous même comme diplomates n'a toujours là. Mais m'a dit nous chercher, fouiller pour nous porter ça qui est bon pour pays. Moi fier de nous. Pays a fier de nous et il compte sur nous. Si nous là aujourd'hui, c'est sous base mérite. C'est pas faveur au fait nous. J'en suis habitué fait. Nous devons être fiers de tête nous. Et m'a dit nous une autre fois encore. Compliment, félicitations. Maman nous et papa nous, amis nous, famille nous, tout le monde qui t'a fait un pile sacrifice pour eux, qui a fait nous arriver. Jodia, moun sa yo, yo dwe fier de nous. Et m'a dit yo tout compliment. Yo te bien travaillé. Et travail yo récompensé jodia. Moi je tire chapeau pour me couper bien bas. Pour me saluer chaque maman. Chaque papa qui a gardé, qui a tendu, qui croit dans l'éducation, qui a vendu de l'eau dans sa chair, qui a exposé la vie sous deux camions, qui a affronté l'insécurité, qui n'a pas peur ni la nuit ni la journée, qui a bravé le danger, qui a dépensé ça au panier pour bailler plein d'instructions à petit. Au sang pour nos parents. Au champ pour nous, maman et papa, ça y est. Ce gouvernement réalise aujourd'hui, c'est un bel exemple d'inclusion sociale. Chapeau pour vous, Premier ministre. Wow! Je te demande pour jouer, d'aider les jeunes à entrer dans l'État. Jusqu'à présent, vous avez travaillé pour bon résultat. Changement pas jamais facile. Son mot tellement difficile, il y a des gens qui même peur parfois. Et pourtant, il y a des gens qui disent, ou bien qui font, ils payent de la vie. Tant que Jésus-Christ, Galilée, Dessalines, et j'en passe. En pile de monde. En pile monde paye de la vie au changement. Tellement son mot qui est difficile. Et pourtant, je dis, nous vivons un moment dans le pays, c'est le seul changement pour nous valer. Parce que les choses grave en pile. Nous pas qu'à aller plus loin que côté nous est aujourd'hui. Mais prends l'exemple de l'institution de l'État. Pour des centres aux enfants qui fait, mais pour un pays, c'est un coup son soulier. Nous, quand nous songez, cordonnier longtemps, c'est un pain incrété. Ça veut dire, c'est mêle soulier. Talon fin crasé. Pas de soulier encore, pour mettre. Ce pays, ça a nous hérité là. Et ce pays, ça, moi, je viens diriger à qu'on l'État, que un groupe moun construit, pour servir seulement. On l'État pesé sous ses, un système pesé sous ses. L'État ça a un groupe moun kidnappé, un groupe moun capturé. Je dis, le pays n'a pas gagné courant, il n'a pas gagné de l'eau, il n'a pas gagné route à cause de capture que l'État a subi. Mais moi dis, changement, songez, Moussa, nous chaque qui là. Les nappes sont là, la veille, notre tête, nous.
li pa chanm facile. Et songe m te di nan yon nan diskou mwen, l'el pral fè clair, c'est l'el sal fè pinoa. C'est ça qu'a privé jodi a nan zafè électricité nan pays a. Pour l'histoire, moi crois que gon photo conseiller mon énergie fait pour le quitter pour l'histoire. Port-au-Prince c'était seulement 23 MW énergie électrique qui t'a le sur réseau. Ça veut dire courant électrique que m'a défendre pour mettre dans pays a, depuis le monté sous pouvoir pour arriver jusqu'on y a en pile monde camper en face changement ça. Si m'a parlé aujourd'hui dans microphone ça il résonne tout le monde entendait c'est grâce à courant électrique. Si m'a parlé devant caméra ça qui retransmet calé loin c'est grâce à courant électrique. Pas un pays sur la terre qui ca vivre sans les prérequis du développement route de l'eau courant. C'est pour ça électricité a son bataille que me vinn prendre li tout non bataille personnelle parce que jodi a moi dit pays a moi pas quitter pouvoir pour me quitter dans Italie là parce que niveau compréhension que bon Dieu ban moi dans affaire énergie fait que monsieur yon nan ra président qui passe sous pouvoir qui gagne niveau compréhension ça dans affaire courant dans affaire électricité et c'est pour ça niveau compréhension, ça mette le service peuple là. Pour que, dans le respect un pour l'autre, nous arrivions à mettre courant dans le pays. Ya. C'est pour ça que je prends des décisions, des gros décisions, pour nous changer le système de commercialisation dans le pays. Ya. Tout le monde qui est là, nous avons un téléphone. Mais parfois, nous avons envie de parler là-dedans, nous ne sommes pas capables. Pour qui ça? Les bagages cap. C'est même gentil. C'est pour nous arriver dans Carrefour côté tout le monde qui a accès à l'électricité. Mais au cas pas gagner comme pas entrer la caille. C'est normal. C'est comme ça ça commence à faire dans pile pays sur la terre. Mais pour ça faire, nous besoin changement. Et changement côté pour commencer faire, faut le faire dans institution qui responsable affaire électricité dans pays là. Institution ça, l'électricité d'État d'Haïti, EDH. Depuis 3 semaines, en pile parole parlé, en pile menti fait sur ça qui décidé pour faire dans le niveau EDH. Quand nous prenons décision pour mon match final, parce que pas oublier, courant, c'est un coup son championnat que nous y nous passons tout, d'ailleurs nous, ouais. Tout ça nous passait en termes de premier tour, deuxième tour, je dis à nous dans une finale. Une finale là, c'est normal à ce que moi-même comme entraîneur équipe là, peuple là c'est lui qui met équipe là. Peuple là, bon entraîneur équipe là, c'est normal à ce que je change un joueur si moi finale là, joueur qui l'a été fatigué. C'est pour ça que je prends une grosse décision pour changer. Leadership dans la tête électricité d'Haïti. Eh bien, du fait lui-même, dans l'EDH, peut-être changement. Encore une fois, je profite de l'occasion pour me parler avec tout frère qui travaille dans l'électricité d'Haïti pour me dire prends précaution parce que faux prophète, l'ennemi, il en pile et il prend toute couleur. Yo bien doit montrer c'est yo qui vient délivrer ou. Et pourtant, si yo tape délivre depuis longtemps comme ça, pour qui ça paye, il y a toujours bien 4-5 heures de temps courant par jour. Je vous dis, va bien même. Nous prenons conscience de ça. Mais si yo tape vient délivrer ou, EDH, centrale électrique qui te pour yo, yo pas t'apprendre yo. Si yo tape vient délivrer ou même ouvrier, cap travail, technicien cap travail dans EDH, yo t'a aidé construire réseau électrique national là. Côté jodia, dans Port-au-Prince côté nous y est là, gon besoin d'environ 800 MW réseau qui disponible là, qu'à recevoir seulement
252 MW. Ça veut dire, pas même bien route côté beaucoup en passé. C'est pour nous construire un réseau tout neuf. Et c'est ça que nous fait avec prêt que nous faisons dans le pays Taïwan. Ou même quand nous travaillons dans l'EDH, centrale électrique Carrefour nous prend décision pour nous mettre tout neuf. D'ailleurs, signature contrat avec gros compagnie générale électrique qui cap permettre nous mettre deux turbines qui pour le produit. Électricité d'État d'Haïti. Décision que nous prenons pour nous mettre 130 MW solaire dans le pays. Pour qui est-ce que vous allez? Vous parlez pour l'électricité d'État d'Haïti. Décision que nous prenons pour nous refaire centrale Vareux. Pour nous mettre des groupes neufs là-dedans. Pour qui est-ce que vous allez? Vous parlez pour l'électricité d'État d'Haïti. Ça veut dire. Et des H que nous rêvons mettre sous bière, nous ne pouvons pas faire sans vous. Ou même ouvriers, techniciens, syndicats qui n'ont des H, cadres qui n'ont des H, ça avec nous, nous avons fait ça. Mais pour le fait, il faut qu'il y ait une réforme qui fait. Il faut nous d'accord que dans le niveau électricité d'Haïti, ça, renseignement, enquête, contre-enquête, comparé avec le Premier ministre, tout l'autre monde qui dans le niveau de l'État qui travaille dans les affaires renseignement, Libanon qui a un petit problème. Par exemple, gros problème dans les affaires, il y a des gens qui consomment courant EDH et puis contre eux, pas jamais aucun chiffre. Et pourtant, courant la caillou. Il y a des gens qui consomment courant EDH, des gros gens. Que courant rentre, il n'y a pas de compte. C'est sur ça que nous demandons pour le travail qui fait. Ce n'est pas le président qui travaille sur eux. Ce n'est pas le premier ministre qui travaille sur eux. Ce n'est pas le ministre qui travaille sur eux. Fuck EDH, il y a un bon leadership qui permet que les choses soient gérées. Mais qu'on ait un autre problème, syndicat. Ma palakou, réveillez-vous. Et l'autre problème, l'autre petit problème technique. Nous songeons en 2014, bon loi qui prend sous anticorruption, qui vient la donne, il y a des sanctions qui prend, côté mon affaire, concussion, trafic d'influence, côté y a collusion, conflit d'intérêt. Ça veut dire, l'or bon job l'État, même gens avec moi, même je dis à qui président, je ne suis pas capable de gagner entreprise qui a fait job avec l'État. Je ne suis pas capable. Même gens premier ministre, ministre, directeur des généraux, ils n'ont pas le droit ça. S'ils font, ils violent la loi. Eh bien, je dis, pas de bien caché l'ombrite, je nous te dis. Syndicat. Ouvrez Géo, il y a trois entreprises dans l'EDH là qui pour plusieurs fonctionnaires dans l'EDH là. Ça ne va pas continuer comme ça. Il n'est pas bon. C'est ça que je me demande pour corriger. Je me demande pour nous assainir l'électricité d'Haïti parce que c'est pour nous lié. Ou pas qu'il y ait petit tout pour faire tentative pour ta tuer. Tant que. Ça qui passé, la destruction faite en danse, siège social, EDH, crasé, brisé, qui a fait. Pas dans quel côté, bagage, c'est au mené nous. Je dis, c'est dialogue. Le dialogue doit être permanent. C'est pour nous parler, on a l'autre. C'est pas dans le goumet, dans le chirépite, dans le crasé, brisé, nous avons une bonne solution pour le pays. Je dis, en clair, moi, je dis, il faut nous entendre, nous. Dans le niveau électricité d'Haïti, pour que l'entreprise là, recommence le travail. Recommence le service et
tout contrat ça yo côté moi t'ai déplacé personnellement à parler avec juge yo membre cour des comptes yo pour nous comment d'allemand dans bénéfice de l'urgence tout contrat ça aussi pour EDH contrat pour acheter 11 000 quelques poteaux qui va gagner dans le pays contrat pour acheter 130 MW solaire contrat pour acheter 60 MW turbine contrat court terme qui pour faire que nous joignent des centrales flottantes qui viennent produire l'électricité pendant l'installation à faite. C'est pour nous. Contrat support qui pour qu'un bel panneau solaire pour l'acheter. C'est pour nous. Ouvriers EDH, employés EDH, ressaisis-nous. Moun qui mettez nous sur route ça, y a mené nous dans calfou dangereux. Non calfou côté Jean a commencé à faire. Jean a commencé à servir avec un pile monde. Parfois pour craser, briser, pour craser le pays. Il faut nous ressaisir. Nous. Pour ça, nous camper sur nous. Je demande au Premier ministre, là, ministre des Travaux publics, là, pour yo ouvrir les bras, yo, pour dialogue là permanent. À tout problème qui vient dans l'électricité d'Haïti pour nous capables de jouer une solution ensemble. Solution pas qu'à jouer avec le syndicat seulement. Solution pas qu'à jouer tout avec le gouvernement seulement. C'est ensemble pour nous mettre. Et c'est ces missions que le ministre des Travaux publics, le Premier ministre, pour nous jouer une solution dans un bon dialogue pour nous capables de mettre l'électricité d'Haïti au service peuple là. Parce que population en Mandel, nous n'avons pas le choix. C'est pour nous mettre le service peuple là. Mes chers compatriotes, chers cadres de la diplomatie haïtienne, vous allez en mission pour défendre le pays, son peuple, ses institutions, ses intérêts nationaux. Les actes de politique étrangère doivent placer Haïti en priorité. Défendez l'intérêt du pays dans une logique gagnant-gagnant, et ceci dans tous les domaines de la coopération internationale. Je compte sur votre professionnalisme, votre dynamisme, votre rationalité afin de garantir l'efficacité de l'action extérieure dans une dynamique de progrès socio-économique et politique du pays. C'est le moment de proposer cette orientation intelligente, habile, pragmatique et éclairée à la diplomatie haïtienne qui doit renouer en partie avec son histoire, défendre l'image d'Haïti auprès de la communauté internationale, lui apprendre à comprendre les orientations et les spécificités de nos institutions et de nos pratiques politiques, économiques, culturelles et sociales pour de meilleures coopérations bilatérales ou multilatérales. Chers diplomates, je vous souhaite tous mes voeux de réussite pour mener à bien votre mission dans la machine diplomatique de votre pays durant votre séjour à l'étranger. Je compte sur vous. J'attends de vos actions un virage socio-économique et politique au bénéfice du pays tout entier. Soyez vigilants. Aimez le pays. Aimez vos frères et sœurs. Allez travailler pour Haïti. Je vous remercie.